Coucou les amis, me revoilà pour une petite capsule pour juste papoter un peu, vous donner mon avis sur tout ce qui se passe. Hein. Parce que je vois que sur tous les réseaux, j'ai plein de gens qui m'ont dit alors, Katia, qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu vois par rapport à tout ce programme de d'agressivité, de plein de choses. Hein. Bon, sachez bien, les amis, c'est voulu, c'est plus que voulu. C'est vraiment, tout ce qui arrive, hein, c'est comment dire, c'est très organisé, c'est toujours pareil. Hein. On voit la même chose aussi bien avec les pandémies qu'il y a eu là, ces derniers temps. Tout est programmé, n'est-ce pas? C'est un film. Hein. C'est un film, bon, qui fait peur là pour certaines personnes, surtout dans les villes, hein, mais ça on l'avait dit, hein, quitter les villes. Moi, il y a très longtemps que je dis, bon voilà, les villes, bon, pour ma part, c'était prévu, mais là, je quitte la ville de Besançon, je vais en camping pendant 2 mois, tout en travaillant, hein, les amis. Hein, je m'arrête juste 2 semaines là et je vais en campagne, voilà. Donc, j'avais envie d'avoir les pieds sur terre, de respirer la terre et le plein air et tout, quoi. Donc voilà, moi pour ma part, c'était organisé déjà depuis un moment. Mais juste pour vous dire que tout est planifié, tout est organisé, voilà, pour aussi réveiller les gens aussi, hein, voir jusqu'où ça peut aller, tout ça. Là, j'ai encore fait des courses tout à l'heure, mon Dieu, quoi. J'ai pas de viande, j'ai juste des légumes, des fruits, enfin vraiment 2, 3 trucs. Et j'en avais pour 70 euros, et je me dis, mais mon Dieu, quoi! Et j'ai pas fait des grosses courses, j'ai pas fait de gros paniers. Mais justement, tout ça, c'est encore augmenté, augmenté. Tout. Dites-vous bien que là, tout est programmé pour aussi éveiller les gens. Hein. L'alliance est là, les vaisseaux sont là, tout est là, l'amour est là. Hein. Ça dépend comment vous le vivez, toujours à l'intérieur de vous. Hein. Voilà, on en a beaucoup parlé avec Olivier. Je rends hommage à Olivier Info Libre. Je te fais des gros bisous, Olivier. Et merci de m'avoir invité à Lausanne. C'était une journée merveilleuse. J'ai adoré. C'était la première fois que je prenais un micro devant plusieurs personnes. Donc j'ai vraiment adoré, quoi. Ça s'est bien passé. Bon, on a eu un petit peu chaud. Et la rencontre avec Olivier, physique, bah ouais, c'est quand même génial de se voir physiquement. Donc j'ai envie de vous dire, les amis, vivement la téléportation qui existe déjà, hein, ok? Et qu'on puisse tous se voir et se déplacer facilement. Parce que ça, pour moi, ce sera la facilité, comme les lits médicaux et tout est là, tout est prêt. Hein, c'est imminent. De toute façon, moi, pour moi, à mon avis, voilà, je l'ai déjà dit la dernière fois en conférence. À Lausanne, et je le redis là en vidéo, je l'ai dit plusieurs fois, il va y avoir un avant et un après, et vous allez vous retrouver dans un monde qui va être complètement amour, douceur, tout, voilà, et vous n'allez pas comprendre, et même moi, je le sens. Vous savez, quand je vous le dis comme ça en vidéo, je vibre ce qu'on me dit, je le sens. Hein. Alors c'est vrai que là c'est chaos, bon c'est pas plus cha c'est chaotique parce qu'on le voit davantage en fait. Et ils m'ont dit hier soir, j'étais avec mes amis sur Discord et on a posé la question. J'avais quelqu'un dans le Discord qui disait ouais mais Katia c'est de plus en plus violent, voilà. Et là-haut ils m'ont répondu mais vous voyez pas toute la violence qu'il y a eu depuis des tas d'années que vous n'avez pas vu. Et là, c'est devant vos yeux. C'est vrai que ça fait drôle. Hein. Ça fait peur, hein, de voir ce qui se passe quand tout brûle et tout. Mais je veux dire, c'est pas d'aujourd'hui cette violence-là. Mais sauf que c'est la violence d'avant. On la voyait pas. Hein. Là, je vous parle d'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y avait autant de violence que maintenant, sauf qu'elle était en sourdine. Hein. Donc voilà, sauf que là, ils sont à la fin du processus. Et voilà, on me fait voir, ils accrochent le plafond, là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la colère, la peur. Voilà. Et nous, on peut être tranquille. Hein. Voilà, ça, c'est quelque chose de très important. Quant à nos amis vaisseaux, ben voilà, je viens d'échanger un petit peu avec Olivier. Effectivement, on va les voir de plus en plus. Hein, lever le nez au ciel, hein, le soir, la journée. Demandez-les, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent.
Katia, on ne les voit pas. Comment tu fais pour les voir? Mais il suffit de les demander et de bien observer les énergies au-dessus de vous, dans le ciel. Voilà, et vous allez voir que vous allez avoir des signes, hein. Des signes, soit des photos, prenez des photos, soit par photo, soit par visuel aussi. Et le soir, hein, vous pourrez en voir aussi qui clignotent et qui passent au-dessus de vous, tranquille, quoi. Hein, voilà. Donc, de toute façon, ils sont là, ils ont toujours été là. Et voilà, donc on me redit là, on me dit, voilà, les glaciers qui vont, voilà, qui vont s'effondrer. Hein, donc, ce n'est pas pour ça que les glaciers vont s'effondrer, qu'on va avoir des raz de marée. Hein, moi, j'y crois pas du tout. Voilà, on est en grande protection. Voilà, on me dit que ça se. Voilà, de toute façon, quand ça va être les divulgations, c'est que le plan sera vraiment terminé. Hein. Donc voilà, on reste positif, on reste toujours en haute vibration. On essaie, hein, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens. Le seul problème qu'il y a à l'heure actuelle, c'est l'argent. Hein. C'est sûr que les faire des courses quand vous avez des enfants et tout, vous n'avez pas beaucoup de revenus, c'est assez compliqué. Hein. Donc débrouillez-vous si vous êtes dans les campagnes à trouver des. Voilà, c'est pour ces gens-là, c'est pas ceux qui ont de l'argent. C'est vrai que les gens qui ont des gros revenus, qui ont vraiment beaucoup de. Voilà, qui n'ont pas ce problème-là et qui peuvent continuer à la Biocoop ou aller dans d'autres magasins. Voilà. C'est sûr que c'est différent. Hein. Mais je pense aux gens. Il y a beaucoup de gens qui sont très, très malheureux. Et tenez bon, hein, les amis, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de fric, tenez bon. Hein. Débrouillez-vous. Je ne sais pas, système D. Mais voilà. Donc. Alors, je voulais dire aussi que je trouvais, des fois j'en ai marre des réflexions qu'on me fait par rapport à mes idées en ce moment. Voilà, je reçois beaucoup pas des mails, mais des réflexions des gens. Voilà, ouais, par rapport à ma libération, on va dire, de ce qui se passe en ce moment, hein, à tout niveau. Parce que moi, je me libère de beaucoup de choses. Hein. De toute façon, je suis prête à tout lâcher. Hein. Je ne rentre pas dans les détails pour l'instant. Et il y a beaucoup de jalousie. Les gens ne comprennent rien. Ils sont bêtes. Et j'en ai marre de cette jalousie, des fois, qui est. Mais vraiment, des gens voilà, comme vous et moi et qui vous font des réflexions comme ça, c'est souvent, souvent, souvent. Je peux vous dire que c'est pour ces gens-là, arrêtez de penser mauvais pour quelqu'un d'autre. Pensez amour pour quelqu'un d'autre, pensez amour pour vous. Si vous pensez mauvais pour les autres, le mauvais va revenir sur vous, quoi. Hein. Je vous l'ai déjà dit, ça. Et ça va être de plus en plus violent, vite. Et voilà. Et des fois, c'est souvent volontaire. Hein. Moi, on me dit des choses, des fois, mais prends ça dans les gencives, quoi. Je ne sais pas, je vais avoir une tête à ça, je ne sais pas quoi. Pourtant, je suis tranquille, je suis cool, je ne suis pas envieuse. Hein. De quoi que ce soit, je suis toujours heureuse pour les autres, très heureuse même. Et moi, voilà, je sais pas. C'est très très bizarre comme comportement. C'est pas grave, hein, c'est juste une aparté. Je vais bien. Hein. Mais c'est vrai que je suis des fois, quelquefois, très très fatiguée de ces gens. C'est une petite minorité, mais ils sont encore trop. Voilà, ils sont encore trop nombreux et voilà quoi. Donc, je voulais vous faire part de tout ça. Et qu'est-ce qu'on me dit aussi là? Qu'est-ce qu'on est en train de me dire? On est en train de me faire voir là des vaisseaux ouais, bleus, roses. Ce sera des couleurs turquoises. Et quand vous verrez tous ces engins, qu'ils soient en spirale ou comme en cigare, hein, ils seront vraiment dans des couleurs dorées ou très très pastel. Hein. Alors je ne sais pas pourquoi ces couleurs pastel. Hein. Mais si vous voulez, c'est pour vous faire voir que ce sera très positif. Hein. Alors, ils sont là, je ne sais pas s'ils vont atterrir. Ils atterrissent déjà pour certaines personnes. On les a déjà aperçus. Je vous ai déjà dit qu'il y avait ces êtres-là qui étaient déjà là sur Terre, hein, certains, en êtres humains. Il y en a même pas mal qui sont connus. Hein. Donc, voilà, je passe les détails. Hein. Donc, voilà, moi, pour moi, c'est juste là les non-éveillés qu'il faut bousculer. Effectivement, moi j'appuie là-haut sur l'univers à ce qui débloque, surtout que les gens soient plus malheureux. Parce que ça, c'est dur. Les gens qui n'ont pas de fric. J'ai connu, hein, plus ou moins, parce que moi je me suis toujours débrouillée pour pas en faire en sorte que ça se passe bien quand même. Mais il y a des gens, ouais, qui je pense, qui souffrent et qui n'ont pas à bouffer, quoi. Hein. Donc voilà. Mais sachez que là, c'est la fin et que si c'est violent comme ça, si on voit cette violence.
C'est que c'est vraiment la fin du film. C'est la fin de ce cycle infernal. Et c'est vrai qu'on a tous hâte que ça s'arrête, hein, parce que on est tous fatigués, hein, psychologiquement, physiquement, plus les vibrations qui font chaos entre la lumière qui arrive de plus en plus fort, et puis ce côté déesse qui lumière inversée qui est là encore présent quand même, hein. Même dans les gens, on le voit bien, cette violence, cette agressivité. On le voit sur certaines personnes, quoi, hein, dont les gens qui font des réflexions. Et moi, c'est, voilà, je ne, dans ma tête, je me dis, on ne peut pas imaginer quelqu'un qui fait des réflexions comme ça. Et le jour, j'ai fait la réflexion à une personne qui m'a bien, à une soirée, voilà, et qui m'a bien, comment, mis ça dans les gencives. Je dis, ben alors, t'es jalouse, hein, voilà. Et ça, je lui ai dit, hein, parce que c'était en fait, souvent, c'est la jalousie. Donc, sachez que la jalousie, c'est quelque chose de très négatif, c'est de la lumière inversée, hein. Ça, c'est, il n'y a pas d'arrangement là-dessus, hein. Donc, soyez, parce que souvent, vous pouvez être jaloux, vous ne faites pas attention et tout. Soyez vigilants à ce que vous pensez pour les autres. Alors, peut-être qu'encore, je me radote, mais c'est vraiment typique. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont. Et malheureusement, ça va vous faire défaut, hein. Je le dis encore, je répète. Mais bon, voilà. C'est mon rôle, hein, hein, de répéter. Voilà, je vous conseille aussi de regarder la vidéo de Nicolas Turban et de Olivier, qui était pas mal. Moi, j'ai bien aimé. Alors, avec ces êtres qui sont complètement différents. Bon, moi, je vous dis tout de suite, je n'ai pas cette approche-là. Voilà, moi, j'ai une équipe de vaisseaux, d'êtres. Qui nous ressemblent, hein, c'est ce que je vous ai dit, qui sont très grands, qui, voilà. Après, voilà, il y a certainement, comme dit Nicolas ou des autres, qui reçoivent donc les messages comme ça d'êtres qui sont complètement différents. Mais moi, je ne connais pas. Et tant que je vois pas et que j'ai pas de contact, si j'ai eu des contacts avec des Arthuriens quand même, hein. Ça, c'est puissant, les Arthuriens. Mais autrement, voilà, je reste très très vigilante par rapport à ça. Mais de toute façon, au début, là, ce qu'on me dit, on ne fera pas voir, ce ne sera pas des êtres avec des têtes différentes, pour pas faire peur aux gens, hein. C'est des êtres qui sont déjà sur Terre, qui sont en humain déjà, et qui seront comme vous et moi, et vous n'en verrez pas la couleur. Et vous direz au début, c'est ce qu'on me dit, on me fait rire là, vous direz, ah ben c'est que ça, les extraterrestres. Et vous serez là, ben non, parce qu'ils sont comme nous, hein. Donc au début, le physique, voilà, vous direz, voilà. Et de toute façon, ça va s'impacter leur visite, hein. On aura l'habitude de les voir, de les contacter plus, hein. Et ça fera partie de votre vie, quoi, quand on va vraiment voir les engins en matière, hein, je vous parle, hein, où on pourra monter dedans, on pourra se balader à travers les vortex, hein. À travers d'autres planètes, d'autres territoires, d'autres comme ça va être bien. Moi, je peux vous dire, moi, je suis là-dessus. En fait, moi, où je me sens bien, c'est que je suis vraiment sur ce côté tranquille, quoi. Vous voyez, là, je m'absente, je vais prendre la nature. Donc, au mois de septembre aussi, pour les gens qui veulent me voir au Maroc, hein, je pars au mois de septembre, mon billet est pris. Donc, je lance un appel, hein, pour les gens qui sont au Maroc. Voilà, vous pouvez me contacter sur ma boîte mail, hein, sous mes vidéos, parce que voilà, je vais au Maroc, je ne sais pas quand je rentre, mais je vous ferai des vidéos de là-bas, hein, forcément. Et voilà, j'ai besoin, pour ma part, ça fait très longtemps que je fais des vidéos, j'ai besoin de prendre un peu de repos. Par repos, je vais travailler quand même, hein, faire mes rendez-vous et tout, mais de changer d'air, voilà, hein. Et comme vous savez, j'ai beaucoup parlé du Maroc. Le Maroc, ça fait 30 ans que je vais là-bas, et je vais aller voir aussi les énergies de là-bas. Je pense qu'on me dit que c'est très, très énergétique. Je pense qu'il y a beaucoup de vaisseaux aussi. On va voir il y a le ciel bleu, je vais voir s'ils sont là, si, voilà, je vais aussi voir d'où sont les gens, entre la religion, s'ils sont éveillés aussi, plus. Je sais qu'il y a beaucoup de gens marocains qui me suivent, hein, et il y a beaucoup de Français qui vivent au Maroc qui me suivent aussi, hein. Et je vous embrasse tous, hein, les gens du Maroc, hein, et les gens d'autres territoires, hein, d'outre-mer et tout. Voilà. Et je voulais vous dire merci aussi,
pour tous les dons que j'ai reçus, les cadeaux, voilà, et les cadeaux de Lausanne, hein, parce que c'était vraiment, mais je vous embrasse tous. Moi, j'ai fait la bise à tout le monde, tous les gens qui voulaient m'embrasser. Ça fait du bien d'avoir de toucher les gens. Il y a des gens qui pleuraient. Moi aussi, j'étais très, très émue. Vous savez, de voir les gens physiquement, et je remercie vraiment Olivier pour ça. Et donc, on recommence avec Olivier normalement, s'il a la réponse, le 19 août, mais c'est pas sûr encore. Voilà, donc avec une salle plus grande. Hein, et là, voilà, alors je sais que d'autres gens diront, bah oui, mais Katia, on voudrait te voir ailleurs aussi. Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Bon, on se verra après, vous inquiétez pas. Ce n'est pas quelques mois près, mais là, j'ai besoin de un petit peu de penser à moi, parce que il y a longtemps que j'ai bougé, quoi. Donc voilà, on va concocter tout ça au mieux. Et de toute façon, je vous fais des petits directs, des petits lives. Je vous ferai ça, je pense, de mon portable, hein, parce que bon, je n'ai pas la connexion Wi-Fi sur mon terrain. Donc, je vais m'organiser, hein, avec le camping. Hein. Et puis, de toute façon, j'ai mon portable et je vous ferai des petites vidéos avec Framboise, parce que je vais avec Françoise, ma sœur. Et on emmène Minot, le chat. Voilà, c'est un peu d'air, de grand air. Hein. Et on a tous besoin, donc prenez l'air, même si vous êtes en appartement. Voilà, allez à la forêt, allez dans des bois, allez dehors. Hein, surtout, c'est hyper important de vous recharger avec des arbres, avec la nature. Surtout que là, il monte en puissance, hein, tous les arbres. Le sol, quand vous toucherez le sol avec vos pieds, les fréquences montent. Vous savez, le taux vibratoire entre la lumière qu'on reçoit, les photons, et l'intra-terre et la terre, c'est ce qu'on me dit là, hein, quand je vous parle. C'est les fréquences, donc vraiment d'être dehors, d'éviter la Wi-Fi. Bon, on peut pas non plus, même si moi, j'ai beaucoup d'organites, j'ai les protecteurs d'Abel, hein, les patchs d'Abel, hein, que je pense que je réinviterai que je vois avec lui, parce que ces patchs, ils sont trop bien. Et donc, voilà, faut se protéger le plus possible. Mais de toute façon, pour moi, même si on a cet état de fatigue, et je dis bien, même la tête un peu encombrée, le physique lourd, ou voilà, suivant ce que vous êtes, ce que vous vibrez, vous ne vous inquiétez pas, hein, surtout, hein, ne vous inquiétez pas, parce que voilà, c'est le taux vibratoire qui change, hein, nos cellules changent, ben c'est chimique, hein, je veux dire, c'est énergétique aussi, chimique, je ne sais pas, je n'ai pas les mots pour vous expliquer, mais il y a des grands changements dans nos corps, et dans nos états d'être. Et c'est ce que je disais la dernière fois à Lausanne. Moi, pour moi, c'est une chose qui est sûre, c'est que le mental, c'est un implant. Le mental, voilà, on va être débranché. Mais ça, c'est mon avis à moi. Alors, il y en a qui vont peut-être dire, ouais, Katia, elle débloque. Pas du tout. Parce que vraiment, on va passer un. C'est pour ça qu'on va se sentir bien. Ils vont déclencher. Voilà, on va être débranché de ce vieux monde, parce qu'on est encore un peu branché, même. Même nous, les gens qui sont ouverts, hein, on est encore branchés là-dessus. Et du coup, on va être débranchés. Alors, quand je dis débranchés, on n'est pas branchés par des fils. Hein, mais tout ça, ce sont sur des plans énergétiques, hein, sur les plans subtils où je suis capable d'aller voir. Donc voilà, donc ça va être énorme, hein, ça. Mais ça, j'y tiens parce que j'ai toujours dit, et ça va vraiment trancher dans le bon, quoi. Donc n'ayez pas peur, hein, tenez bon. Voilà, donc les gens qui sont dans les villes, dans les grandes villes, restez chez vous, hein, en ce moment, faites des courses, restez chez vous, évitez d'aller dehors, vous prendre une explosion, je sais pas quoi. De toute façon, pour moi, ça a été aussi déchaîné, ça a été fait par l'état profond, hein. Il y a un mélange des deux, et voilà. Mais moi, pour moi, ça a été créé, c'est de la pure création, exprès pour, voilà. D'un seul coup, c'est marrant parce que d'un seul coup, là, ça a commencé à Paris et d'un seul coup, ça s'est organisé dans toutes les villes, quoi. Mais là, voilà, comme si c'était programmé, quoi. Voilà, c'est un peu pour moi, voilà, ça, c'est mon avis aussi. Mais dans tous les cas, c'est la fin de ce vieux monde. Hein. Et il faut que ça se passe comme ça. Je ne sais pas, il y a sûrement des raisons. Moi, je ne suis pas OK avec tout ça. Je ne suis pas OK avec ce qui se passe. Hein. Pour moi, ce serait l'alliance, ce serait déjà terminé. Mais moi, je ne suis pas dans le plan de l'alliance et je pense qu'il y a des raisons. Et on saura après pourquoi ça se passe comme ça. Hein.
Donc voilà, je vous embrasse très très fort, mes amis. Je vous embrasse comme j'ai embrassé les gens à Lausanne. Et Lausanne, j'adore la Suisse. Si vous avez l'occasion d'aller à Lausanne et d'aller dans ma région, le Haut-Doubs, qui est magnifique aussi, hein, c'est la montagne. Donc c'est très très beau, hein, j'habite une belle région. Et la Suisse, voilà, j'adore la Suisse, moi. Et je vous salue, hein, les gens suisses. Et je vous embrasse très fort. Bientôt pour un petit direct, dès que je suis là, installée au camping avec Framboise, on va vous faire un petit direct, hein, et on va vous faire un petit live. OK? Je vous embrasse. Hein, je vous envoie tout mon amour. Et surtout, restez alignés, restez dans votre vous profond, me dit. On me le dit, il hein, n'y a que ça qui va vous sauver, votre amour pour vous. Voilà, le reste, tout peut s'écrouler, vous, il ne vous arrivera rien. Je vous jure que c'est vrai. Hein. Donc, soyez courageux, parce qu'on a du courage, voilà. Mais si vous avez beaucoup d'amour pour vous et pour les autres, mais sans critiquer, sans être jaloux, hein. Non, mais voilà, je le digère pas en ce moment. Hein. C'est quelque chose, voilà, je ne comprends pas. C'est gratuit, voilà. Et c'est trop. C'est pas souvent, mais c'est trop souvent revenu quand même. Voilà. Je vous embrasse, mes amis. À bientôt. Abonnez-vous, partagez ce petit vocal qui fait à peu près 20 minutes. Hein. Voilà. Je sais que c'est court pour vous, mais bientôt, je vous fais un direct. Hein. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Au revoir. Salut!